Bonjour à tous, cette vidéo est à destination des modérateurs qui parlent français. Donc, on va regarder le mail que vous avez reçu hier. Si vous l'avez lu avec attention, il n'y a aucun élément nouveau dans cette vidéo. Mais pour ceux qui voudraient revenir un peu dessus, voilà en résumé ce que ce mail vous raconte, c'est vraiment quelles sont vos activités là à faire aujourd'hui en tant que modérateur. Donc, en tant que modérateur, vous devez déjà rejoindre votre canal des discussions autour de votre thématique. Ensuite, vous devez nous aider à identifier les idées qui sont discutées dans ce canal et finalement aider les participants à créer des équipes. Si on regarde ici, il y a une foire aux questions sur laquelle vous pouvez cliquer et qui va répondre à certaines des questions que vous pouvez avoir. Un des éléments importants, c'est le code de conduite, qui vous rappelle en fait que nous n'acceptons pas évidemment des propos racistes, injurieux, mais non plus des gens qui veulent commercialiser leurs activités et qui viennent faire de la publicité pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'idéaton. Et donc pour ça, on vous demande voilà, de réagir, de nous faire remonter si jamais vous voyez des comportements abusifs. Et comment est-ce que vous pouvez justement contacter les organisateurs, poser aussi vos questions? Il faut que vous rejoigniez le canal qui s'appelle Modérateur Modératine. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va sur notre Slack ici et on recherche dans les canaux, ici à gauche, on clique sur plus, parcourir les canaux et là, Modérateur. Si on recherche modérateur, on devrait voir arriver ici la channel 0, modérateur moderated. Je clique dessus. Je clique ici sur rejoindre. Et me voilà dans le canal modérateur moderated. Ce qui me permet ensuite de poser l'ensemble de mes questions. Et vous voyez que l'équipe d'organisation est très très active et est capable de vous répondre très vite à toutes vos questions, mais aussi que les autres modérateurs peuvent aussi vous aider, évidemment, c'est l'idée. Voilà pour cette première vidéo, on espère qu'elle vous aura un peu éclairé, et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Très bon travail, voilà, bon courage à tous, à très vite.